Bonjour à vous tous, merci d'être présents à cette conférence qui a pour thème notre donation en succession, comment limiter la facture après la réforme. J'ai juste envie de poser un peu le pont là-dessus et peut-être de rajouter comment anticiper la prochaine. Donc après les élections, on aura une nouvelle réforme des donations et des transmissions. Alors pour m'aider dans ce débat, je vais vous présenter une invité qui s'appelle moi. Tout au bout de ma droite, vous avez Vincent Deprince, qui est conseiller fiscal, si on peut dire ça, membre du cabinet Deprince, Cherpion et associé à Bruxelles. Juste à ma droite, Yacine Diallo, qui est avocat au cabinet CMS de Backer au Luxembourg. À ma gauche, Pascal Marchandet, qui est commissaire-priseur avec Rossini. Et enfin, tout au bout de ma gauche, Laurent Desmoulières, qui est responsable de l'ingénierie patrimoniale chez MSKF Gestion Privée. Alors, avant de donner la parole à mes intervenants, j'aimerais un petit peu, peut-être planter le décor pour comprendre un petit peu les enjeux du débat et voir où on vient et éventuellement où est-ce qu'on va aller. L'historique sera très, très brève, on va rester juste sur le quinquennat qui s'achève. Pour rappeler que ça a débuté en 2007 avec l'adoption de la loi TEPA. Qui a très largement allégé la fiscalité sur les donations et les successions. Désormais, les conjoints survivants sont totalement exonérés de droits de succession et les enfants bénéficient, je fais rapide, hein, les enfants bénéficient d'un abattement de 150 000 euros, à peu près, ben un peu plus maintenant, sur chaque donation et succession. Et cet abattement se renouvelait tous les 6 ans. 5 ans plus tard, la situation économique a un petit peu changé, comme vous le savez. Le gouvernement a resserré sensiblement la fiscalité sur les donations et les successions en élargissant pendant le délai entre les deux donations, maintenant de passer de 6 à 10 ans, en relevant les deux tranches les plus élevées des barèmes sur les droits de donation et de succession, en relevant le droit de partage et en supprimant la réduction de droits de donation en fonction de l'âge du donateur. Et à mon avis, ce n'est la question d'autosimité des appartements, ce n'est que l'apéritif que nous avons. C'est pourquoi, dans ces conditions, il me paraît important de faire un bilan aujourd'hui de cette fiscalité et de balayer les mesures à prendre pour votre patrimoine, pour anticiper les effets futurs. Je vais commencer par laisser la parole à Laurent Desmoulières, qui va nous brosser un peu un état des lieux de la fiscalité sur les donations et successions. Laurence. Bonjour à tous. Effectivement, si on poursuit cet état des lieux, ce qu'on peut rajouter, peut-être comme mesure extrêmement favorable qui avait été prise, celle-ci au début des années 2000, pour compléter ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qui avait été mis en place pour favoriser la transmission d'entreprise, la fameuse cadre du Treille, qui permet aujourd'hui de transmettre une entreprise avec un abattement de 75%. Ce dispositif existe toujours. Vous les avez mentionnés, donc les dispositions favorables adoptées dans le cadre de la loi TEPA, consistant à une exonération totale des biens transmis en faveur du conjoint par biais de succession et les relèvements de l'ensemble des abattements, et notamment celui par enfant, donc, qui aujourd'hui est à 150 euros, eh bien, ce qu'on peut constater, malgré les réformes intervenues l'année dernière, et donc la hausse de la fiscalité de la transmission, c'est que ces trois dispositifs, aujourd'hui, sont maintenus. Alors, jusqu'à quand, on ne sait pas, mais déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais certains d'entre vous s'interrogent sur une donation et n'ont pas consommé cet abattement de 159 325 euros, peut-être pas tarder à y réfléchir. Pareil pour la transmission d'entreprise. Si une réflexion est sur la table pour transmettre l'entreprise, il faut peut-être hâter la décision, parce qu'on peut craindre que ces dispositifs ne soient pas laissés en l'état dans les prochains mois. Alors, juste peut-être pour rebondir sur ce point-là, qui est intéressant, peut-être pour rassurer aussi nos auditeurs, est-ce que tout changement qui interviendrait d'ici quelques mois aurait des effets rétroactifs?
Alors, a priori, non. Si la transmission est effective avant le vote de la loi, on n'a jamais vu de rétroactivité en la matière, donc je ne pense pas. On peut se référer aux mesures qui avaient été adoptées l'année dernière dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011, ou en tout cas toutes les mesures concernant la transmission du patrimoine ont été d'application après l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire en août 2011. Et c'est vrai que l'année dernière, d'ailleurs, on avait vu bon nombre de personnes se précipiter pour faire des donations avant la fameuse suppression des réductions de droits en matière de donation. Donc je pense que là-dessus, il faut rester optimiste. Mais malgré tout, ces réflexions en matière de donation sont toujours des réflexions très importantes. Hein. C'est un moment où on va quand même transmettre quelque chose, donc on va se déposséder de quelque chose. Je pense qu'il faut quand même se faire de la réflexion, et la réflexion, il faut qu'elle commence maintenant, parce qu'on a le sentiment que ça pourrait changer rapidement. On peut compter quel délai entre le moment où on commence à réfléchir à une donation et puis le moment où elle sera effective. Juste pour savoir si aujourd'hui, à la sortie de ce débat, vous avez envie de faire des donations à vos enfants, nos auditeurs ont encore le temps de le faire. Oui, non, je crois qu'en la matière, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a encore le temps de le faire. Il faut se poser les questions, c'est certain. C'est une question familiale. Il faut être certain qu'on conserve suffisamment de patrimoine, bien entendu, pour assurer ces vieux jours. Maintenant, cette réflexion, on attend de la faire sans difficulté, bien sûr. Alors, effectivement, dès qu'on parle de donation, de succession, on a toujours un réflexe qui est de se dire, bon, finalement, si on est trop taxé en France, est-ce qu'on n'a peut-être pas intérêt à aller voir sous d'autres cieux ? Monsieur De Prince, alors vous qui êtes à Bruxelles, est-ce que vous faites venir des wagons entiers de contribuables mécontents pour la Belgique ? Oui, bonjour, Mathieu, tout d'abord. Voilà, j'espère que vous m'entendez tous. Effectivement, on est bien connu, je crois que chacun sait que la Belgique peut être considérée comme un pays relativement attractif sur le plan de sa fiscalité patrimoniale. Et j'insiste bien donc, sur le plan de la fiscalité patrimoniale parce que justement, par opposition à. Davantage sur les aspects patrimoniaux, la Belgique n'est certainement pas une terre d'accueil qui est intéressante pour la fiscalité sur ses revenus professionnels. Nous sommes, faisons partie au niveau mondial des trois premiers pays qui taxent le plus les revenus professionnels. Donc, effectivement, la réflexion, on doit la mener et la focaliser sur la fiscalité patrimoniale. Donc, oui, effectivement, la Belgique est très intéressante pour l'expatrié français dans la mesure où, sans vouloir développer. Détailler cette fiscalité en Belgique. Je pense que vous savez tous, par exemple, que les plus-values en Belgique ne sont pas taxables. Les plus-values, je parle des plus-values essentiellement, les plus-values sur participation, les plus-values financières, ne sont pas taxables. Si maintenant on parle de fiscalité immobilière, comme je le disais également hier, on ne doit pas attendre 30 ans pour avoir une exonération, 5 ans suffit en Belgique, pour autant que la plus-value soit réalisée dans le cadre d'une gestion normale. La plus-value n'est pas taxable en Belgique. Sauf que, enfin, si je ne me trompe pas, lors du Moulière, la plus-value sur un immeuble est taxée dans le pays où se trouve l'immeuble, c'est ça ? Oui, effectivement, la difficulté lorsqu'on part à l'étranger, c'est qu'on aime bien conserver des biens en France, notamment peut-être un appartement ou une maison au bord de la mer. Et effectivement, là, dans ce cas-là, bon nombre de conventions imposent le pays de situation de l'immeuble. Là-dessus, partir en Belgique ne réglera pas la situation des biens qu'on détient en France, des biens immobiliers qu'on détient en France. Alors, pour la Belgique, non. C'est vrai qu'on recommande généralement de partir avec une partie de son patrimoine, aussi pour asseoir la localisation belge. Si je peux me permettre de rebondir simplement, il y a quand même un tout petit attrait, tout est relatif évidemment, mais effectivement, la fiscalité immobilière se rattacherait effectivement à la France pour l'occasion. Qui détient le patrimoine en France, mais il faut quand même savoir qu'en cas de plus-value, seul l'impôt sera dû, non pas les prélèvements sociaux. Donc il y a quand même une économie substantielle en matière de prélèvements sociaux sur une taxation qui aurait dû, en cas de plus-value, continuer. Je pense que ça va passer à 15,5%, donc c'est quand même assez substantiel. Mais alors, la fameuse exit tax qui vient d'être adoptée, est-ce qu'elle n'a pas pour objet justement de contrer ce genre de comportement ? Alors, effectivement, l'exit tax aujourd'hui, ça va être un frein, ou en tout cas une contrainte forte pour les personnes qui souhaitent partir en Belgique pour céder une participation. Parce qu'aujourd'hui, le texte est tourné d'une manière qui
qui le rend assez efficace. Et qu'aujourd'hui, donc, une personne qui détient soit plusieurs participations valorisées au moins 1 300 000 euros, soit une participation substantielle dans une société, va rendre effectivement éligible à l'écoute à cette personne-là. Et si la personne vend une fois en Belgique sous un délai inférieur à 8 ans, elle se fait rattraper par cette exception. Donc effectivement, ça peut être un frein et il vaut mieux partir pour un certain nombre d'années si c'est le but de vendre une participation. Bon, entre deux princes, désolé, peut-être qu'on aura peut-être un peu moins de monde en Belgique finalement. Ouais, je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, on continue à avoir un courant d'État de la France à la Belgique. Et simplement, je crois qu'en matière de transmission, notamment en matière de donation, la Belgique est quand même tout à fait favorable. Alors, monsieur Diallo, est-ce qu'on est obligé finalement de s'expatrier pour restructurer son patrimoine? Est-ce qu'on peut avoir des solutions à partir de Luxembourg tout en restant en France ou en partant d'autres cieux moins forcément cléments? Bonjour à tous. Je pense que la question en tout cas de la résidence fiscale, n'est pas une question uniquement fiscale. C'est pour ça que notamment on ne voit pas venir beaucoup de résidents français à Luxembourg. Je pense que la résidence est avant tout un choix de vie. C'est des personnes qui arrivent au soir de leur vie ou qui sont jeunes, qui ont un patrimoine, souhaitent en profiter pleinement et donc vont plutôt se tourner vers des villes, vers des capitales, notamment des capitales européennes qui leur permettent d'avoir une vie pleine, à la fois au niveau culturel, à la fois au niveau du coût de la vie. Donc on voit beaucoup de personnes physiques partir par exemple en Belgique, partir par exemple en Suisse. Luxembourg n'a pas un véritable attrait, à mon sens, et en tout cas mon expérience, pour les personnes physiques en termes de résidence. Par contre, où Luxembourg peut avoir un impact très fort, un intérêt très fort, et je dirais peut-être déterminant, c'est que c'est une des places les plus attrayantes pour structurer son patrimoine. Tout particulièrement lorsqu'il s'agit notamment d'un patrimoine fait en grande partie de participation dans des sociétés. Pour être court et relativement didactique, par exemple, le cœur de la fiscalité luxembourgeoise, qui est ce qu'on appelle la SOPARFI, société de participation financière, qui est au fond une holding, une société qui a un régime fiscal qui est particulier, qui est souple, mais à la fois qui est légal, c'est-à-dire que la société est soumise à une imposition de 28,80%, d'accord, sur le revenu imposable. À peu de choses près, là, je trouve. Exactement. Et je pense que c'est important de le préciser. Par contre, il y a un régime dont elle peut bénéficier qui est très avantageux et qui est légal, donc qui sécurise énormément la personne qui en bénéficie. La société bénéficie du régime MERFI notamment, régime droit européen, qui permet, sous certaines conditions qui sont des conditions relativement souples, de bénéficier d'une exonération pleine sur les plus-values, participation, sur les dividendes. Enfin, la société, lorsqu'elle distribue des revenus aux personnes, aux actionnaires, qui sont soit des personnes physiques, soit des personnes morales, s'il s'agit de personnes morales, elle peut bénéficier encore une fois de l'application du régime MERFI, qui peut permettre, dans certains cas, d'avoir aucune retenue à la source sur les distributions, notamment de dividendes. Et pour les personnes physiques, il faut souligner qu'il n'y a pas de retenue à la source sur les intérêts. Donc, tout intérêt qui est distribué par la société luxembourgeoise, la holding, à la personne physique qui en est actionnaire, ne souffrira pas de retenue à la source. Donc là, il s'agit d'un pan, je pense, important de la fiscalité luxembourgeoise, la SOPARFI. Il y a d'autres véhicules qui peuvent apporter des solutions à la fois sécurisantes pour le contribuable, mais à la fois très flexibles. Mais le point, je pense, central, c'est la question de la politique. Luxembourg est attrayant parce que au cœur de l'Europe, c'est un pays qui est stable politiquement, qui est stable d'un point de vue législatif. Et donc, lorsqu'on met en place un véhicule à Luxembourg, on ne craint pas justement ce qu'on craint par exemple en France, ce qu'on peut craindre peut-être également en Belgique, où au gré des alternances politiques, au gré de la situation des finances publiques, on peut remettre en cause des régimes qui viennent tout juste d'être votés. Le Luxembourg est très stable du point de vue de la régulation, très stable du point de vue politique, ce qui, à mon sens, est quelque chose qui peut pousser un nombre de plus en plus important de contribuables à structurer leur patrimoine depuis Luxembourg. C'est vrai que ces solutions d'expatriation, elles sont peut-être financièrement assez attrayantes, mais il faut quand même avoir une surface financière
sensiblement très importante. Donc pour les mettre en œuvre, si on a un patrimoine moyen autour de 11 millions d'euros, ça a bien de sens. Donc partir. Je constate quand même, donc, par expérience, que effectivement, si je remonte à il y a une dizaine d'années, c'était plutôt les très gros patrimoines qui venaient en Belgique. Aujourd'hui, je constate quand même que on accueille en Belgique des patrimoines qui sont relativement plus réduits par rapport à autrefois. Et je pense que y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons que pour rejoindre un petit peu ce que disait tout à l'heure Maître Gadeau. Effectivement, il faut assumer les conséquences de son choix. Il y a effectivement les raisons fiscales, mais d'autres raisons aussi de pouvoir s'expatrier. Et comment vais-je dire, donc, sur le plan de la France, j'entends beaucoup quand même de clients me dire qu'ils sont tout à fait mal un petit peu de la manière dont les choses se passent, et surtout de l'insécurité. On voit le nombre de lois qu'on peut voter sur une année, effectivement ça fait peur, on ne sait pas où ça va, et c'est un petit peu de la panique et la raison qui explique justement qu'on accueille encore, même depuis l'exit-tax, pas mal de Français, même des patrimoines qui. Sont alentour de 2-3 millions d'euros. Oui, en fait, avant vous accueilliez des milliardaires, nous vous accueillez des millionnaires. Alors, là j'ai envie de me tourner vers Pascal Marchandet, parce que donc, là on parle de stratégie fiscale un petit peu développée, hein, avec des aspects techniques qui vont mettre en place qui sont un peu lourds, mais finalement, là, parce que c'est votre spécialité. Là, est-ce que ça peut être pas un moyen d'optimiser sa fiscalité ? Effectivement, les objets d'art ont un statut tout à fait particulier, qu'ils ont conservé, ils n'ont pas subi les différentes réformes et alourdissements, allègements, etc. Nous avons toujours à peu près le même statut pour les objets d'art en France, et c'est un statut qui est très favorable. Alors, pour vous rappeler déjà au niveau des successions, hein, ce que peut-être beaucoup d'entre vous savent déjà, il y a deux manières de calculer les droits de succession concernant les objets d'art. La manière, je dirais, classique, qui consiste à faire un inventaire de commissaire-priseur, un inventaire notarié en présence d'un notaire, et on dresse une liste, on prise les meubles et on va payer ses droits de succession sur ce total. Ça peut être une façon tout à fait indolore de payer les droits de succession quand le patrimoine, ce sont simplement des meubles meublants courants. La seconde manière qui est très favorable aux objets d'art, c'est de prendre le forfait. Donc le législateur, dans sa grande mansuétude, a prévu que l'on pouvait évaluer les meubles meublants dépendant d'une succession par un forfait dit de 5%. Ce 5% en fait étant le taux qui s'applique pour calculer la valeur forfaitaire du mobilier sur l'ensemble du reste des actifs. Donc on prend la déclaration de succession, ou du moins avant qu'elle soit achevée, et on vérifie que le mobilier ne vaudrait pas davantage que le fameux forfait de 5%. Et quand on a vraiment de beaux objets d'art, des objets d'art importants, il est évident que ce forfait est très favorable. Donc à ce moment-là, on n'a aucune liste ou inventaire à transmettre au fisc, déjà premier avantage. Second avantage, on peut donc limiter, plafonner en fait, les droits de succession sur les objets d'art. La seule chose dont il faut se méfier pour l'application de ce forfait de 5%, c'est que le défunt n'est pas préalablement assuré ses objets d'art avec une assurance en valeur agréée. Parce que ça pose vraiment problème. Quand on a procédé à une assurance en valeur agréée, c'est-à-dire qu'en fait on a transmis à la compagnie d'assurance française l'inventaire chiffré de son mobilier, à ce moment-là, c'est ce chiffre qui s'applique et on ne peut plus bénéficier du fameux forfait. Donc, surtout, attention aux assurances en valeur agréée, choisissez des assurances en valeur déclarée. Alors, quand vous évoquez
Excusez-moi, vous évoquez les meubles, le meuble blanc. Je comprends assez bien de quoi on parle, qu'il s'agit d'une belle commode, une tapisserie, ce genre d'objet, un beau vase. Mais par exemple, une belle collection de timbres ou alors des bijoux bien anciens, c'est plus le meuble blanc, ça. Oui, alors tout à fait. Il faut faire très attention parce que on a aussi un forfait de 5% dans le cadre de l'ISF, puis on a aussi des définitions d'exonération pour les objets d'art dans le cadre de l'ISF, mais ce n'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que dans le cadre des successions, les collections ne sont pas exonérées. Et notamment les collections, même vous auriez une collection de commodes et vous l'auriez mis dans un hangar, elle ne vous servirait pas de meuble meublant au quotidien, vous payeriez sur les commodes à leur valeur et vous ne pourriez pas les inclure dans le forfait. Donc en fait, ce forfait ne comprend que les meubles meublants. Alors la précaution qui s'impose, parce qu'il y a eu des conflits judiciaires très importants entre le fisc et certains gros contribuables sur ce sujet, qui ont abouti à un arrêt de la Cour de cassation, qui nous est très utile, qui s'appelle l'arrêté Nouji. Cet arrêt nous dit que, en fait, effectivement, tout meuble meublant qui sert au décor, et au décor, hein, pas seulement à l'usage, domicile dépendant de la succession, un tableau, aussi important soit-il, peut rentrer dans le forfait à partir du moment où il est bien sur les murs. Et donc, ce que nous conseillons, quand vous avez des tableaux, et jusqu'à 6 millions d'euros, qui risquent de faire l'objet de grosses discussions avec le fisc, c'est de faire constater par l'huissier au moment du décès que le tableau est bien sur les murs. Et que c'est pas une copie, c'est vraiment l'original, voilà, la copie est pas encore. Exactement. Il faut le faire constater, ça évite toute discussion parce que évidemment le fisc tous, quand on leur fait passer sous le nez des très grosses sommes que peuvent représenter les objets d'art. Mais donc il faut que les meubles soient meublants. Alors vous disiez une collection de timbres, une collection de timbres, à moins de les coller sur les murs, je vois pas comment on va pouvoir les rendre meublants. Donc les timbres, ça passera pas. Les bijoux, ça ne passe pas. Le vin, ça ne passe pas. Donc il y a effectivement des limitations. Ce terme de meuble meublant est vraiment central dans ce forfait. Même si on met cette bouteille dans le salon, ça ne passe pas. On n'a pas encore essayé. D'abord, ça va abîmer une bouteille, hein, je ne veux pas dire. Mais non, il faut vraiment que ce soit des meubles meublants. Alors par contre, les objets d'art, effectivement, peuvent être quelquefois des choses assez étonnantes dans le décor d'une personne. C'est pas un problème en soi. Je connaissais quelqu'un qui avait, par contre, qui avait fait remonter une Ferrari Formule 1 dans son entrée, un meuble meublant. Alors, on parle aussi des objets d'art dans une autre fonction, qui est celle de payer son impôt. Hein. C'est une technique que les fiscalistes appellent la dation en paiement, qui permet de payer les droits de succession sans pour se dédier. Ça marche, ça marche pas, c'est une législation qui est très importante, qui est très utile, surtout au musée. Après, aux héritiers, je ne sais pas, je vais vous expliquer un certain nombre de précautions à prendre. Effectivement, le principe, en fait, c'est que quand on a un objet d'art un peu exceptionnel qui peut intéresser un musée, on peut présenter cet objet à la commission des nations afin de le proposer à la direction des musées nationaux. Alors, comment ça se passe? On doit présenter l'objet, on doit évidemment lui donner une fiche détaillée, de préférence faite par un bon expert, et on doit surtout proposer un prix de dation. Et en fait, on doit soi-même estimer son objet et donc dire voilà, je souhaite vous offrir cet objet en dation, enfin offrir est un bien grand terme. Et donc le montant que l'on propose va être accepté ou refusé, et s'il est accepté, effectivement, il va s'imputer sur les droits qui sont dus. Alors, le piège, il est là, c'est-à-dire que, évidemment, la commission des nations est souveraine pour dire « je prends ou je ne prends pas ». Comme vous proposez un objet, en fait, à la vente à l'État, grosso modo, vous avez tendance à gonfler le prix de cet objet au maximum en disant « formidable, je vais leur donner ce petit piano un peu usé et ça va m'économiser 80 000 euros de droits de succession, formidable, j'ai déjà dû faire ». Sauf que après, si la commission des nations dit non, si Bercy dit non, Bercy n'a pas forcément envie
de voir passer sous le nez d'importants droits de succession. À ce moment-là, la dation est refusée. Alors vous avez gagné du temps, vous n'avez pas payé vos droits de succession pendant ce temps-là. Très bien, comme ils ne sont pas très rapides, c'est toujours ça de plus. Ça prend combien de temps, justement? Normalement, ça devrait prendre 4 mois, mais ça prend souvent un an. Hein. Mais, c'est des crédits gratuits. Hein, voilà, et ça c'est le côté positif de l'affaire. Sauf que l'objet que vous avez, par exemple, sur évalué, il va être refusé en dation, il va être inclus pour le montant que vous avez mis dans votre succession, vous allez payer le droit de succession. Donc, c'est un peu problématique. Donc, il faut quand même avoir pris contact avec des conservateurs éminents, savoir un peu où on va avant. Et donc, on a intérêt, quand on a un projet comme celui-là, de s'entourer des conseils d'un commissaire-priseur qui va pouvoir poser la question directement au directeur des musées nationaux ou à un conservateur d'un musée concerné, par exemple, si c'est un instrument de musique au musée de la Villette, etc., de manière à savoir où on va, parce qu'il ne faut quand même pas y aller sans biscuit. Et puis, alors, il y a un autre problème, et là, je vais vous raconter rapidement une petite anecdote pour pouvoir laisser la parole à d'autres personnes, c'est que vous allez acheter un objet à un moment T pour pouvoir l'offrir en dation au moment de votre succession. Comme on espère que vous aurez une longue vie, il peut s'écouler un certain laps de temps entre les deux, et les conditions de marché et les conditions de dation vont évoluer entre les deux. Je vais vous raconter cette belle histoire d'un banquier célèbre qui avait eu la bonne idée dans les années 80 d'acheter l'un des coffrets à bijoux de Marie-Antoinette, qui sont des petits meubles de Martin Carlin parmi les plus sophistiqués du monde, et il avait acheté ce coffret à bijoux pour la modique somme de 53 millions de francs à l'époque. Et il avait prévu qu'il avait, avec ses enfants, de donner ça en dation au château de Versailles au moment de son décès. Sauf que, en fait, en réalité, deux problèmes assez graves sont arrivés entre-temps. D'abord, il y avait deux coffrets à bijoux de Marie-Antoinette, hein, qui étaient à Versailles et qui étaient au Louvre, et que l'autre est venu sur le marché et qu'il a été offert au musée de Versailles, et que donc le château de Versailles avait déjà exactement le même coffret à bijoux au moment où notre banquier est mort. Donc, évidemment, ils étaient nettement moins intéressés. Deuxième problème, quand ils ont offert le coffret à bijoux en dation, évidemment, ils l'ont offert à un prix égal ou supérieur d'ailleurs, à ce qu'ils l'avaient payé. Sauf que, entre-temps, il y avait eu la crise de 1990, et que le marché n'avait pas du tout évolué dans ce sens-là. Donc, résultat des courses, l'objet acheté 53 millions de francs a été refusé comme paiement en dation, et il n'y a pas eu d'autre moyen que de payer les droits de succession sur 53 millions de francs au moins, parce que je ne sais même pas s'ils n'avaient pas demandé 80. Donc. Et quand ils ont vendu le coffret à bijoux de Marie-Antoinette aux enchères, ils en ont tiré la somme mirifique de 14 millions. Donc voilà le travail d'une opération qui devait être géniale et qui ne l'a pas été du tout. Et moyen de se sortir de ce piège. Donc les dations, il y a des situations où ça peut être très intéressant parce qu'on a un bien de famille, etc., qui ça permet de le faire passer dans un musée, on en est toujours assez fiers, mais comme moyen de défiscalisation, méfiance. Donc vous l'avez compris, en sortant de cette salle, vous ne faites pas forcément vos valises, vous n'achetez pas forcément des œuvres d'art,